Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambouini TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je tiens à vous encourager par cette petite motivation qui monte dans mon cœur une pensée merveilleuse. Et aujourd'hui, nous sommes exactement le 15 avril 2023. Ouf! Les jours vont vite, chers amis. Il n'y a pas longtemps, on fêtait la Saint-Sylvestre. Il y avait du veillé dans les églises. Et c'était déjà février, mars. Aujourd'hui, nous sommes mi-avril et très bientôt, nous allons clôturer ce mois d'avril. Donc, ça fait déjà 4 mois écoulés. Il nous restera 8 mois pour clôturer l'année. Ouh, le temps va vite, Chers amis, Ephésiens 5, 16 dit ceci, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le temps, le time, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas toujours un allié. Le temps a toujours été notre ennemi. L'homme ne peut pas maîtriser le temps. Puissant soit-il, quel que soit le rang que tu occupes, tu ne peux pas maîtriser le temps. Si aujourd'hui c'est le 15 avril, un homme ne peut pas dire c'est le 14, c'est le 15. S'il est 12 heures, quelqu'un ne peut pas dire que non, je veux faire reculer le temps à 11 heures. Même si vous êtes un extraterrestre, vous n'y arriverez pas. Le temps est tel quel. Donc c'est le temps qui influence les hommes, qui influence les cours des événements dans le monde, et l'homme ne peut rien faire que constater. Donc le temps est toujours contre nous. Il n'y a que Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Il est le seul qui maîtrise les choses. Ce n'est pas nous. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Parce que le temps est contre nous. Parce que le temps fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Écoute mes conseils. Je dis à une personne, si tu as quelque chose à faire demain, fais-le aujourd'hui. Tu as entendu? Tu as 30 ans. Tu veux chercher un job. N'attends pas d'atteindre 40 ans. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Cherche le job aujourd'hui. Tu cherches un conjoint ou une conjointe. Tu vois l'âge avancer. C'est le moment de le faire et pas demain. Parce que demain, tu risques de devenir vieux et aucune fille n'accepterait ta situation ou ton statut. Si réellement, bien aimé dans le Seigneur, tu as un talent, par exemple, tu es un chanteur, tu sens que vraiment que quelque chose en toi convaincu que tu as du talent, commence à t'exercer maintenant. Cherche un clavériste, cherche un guitariste, commence à fredonner quelque chose. On ne devient pas une star par magie, boum, ou par génération spontanée. Ça, c'est travail. Que ce soit dans le foot, dans le basket, dans le tennis, ça, c'est travail avec le temps. Avec le temps. Alléluia. Voilà pourquoi un dicton dit, l'habileté vient en travaillant. Ce n'est pas du jour au lendemain. Même pour conduire un véhicule, on prend du temps pour passer à l'apprentissage. Et à l'apprentissage, on commence à apprendre le... les IS, la conduite, les ABC, et vous finirez avec le temps de développer des réflexes qui vont permettre de tenir le volant pendant des heures, de traverser les embouteillages, de faire des croisements même dangereux. C'est avec le temps. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, personne ne peut freiner le temps, personne ne peut bloquer le temps. Il n'y a que Dieu qui contrôle les choses. Nous avons intérêt à faire confiance au Seigneur pour qu'il puisse pencher les temps, les circonstances à notre faveur, pour que notre vie soit boostée et que notre vie puisse voir une autre dimension. Ne rêve pas, ceux qui réussissent et ceux qui travaillent. Mais quand vous êtes fainéant, vous êtes là, le matin vous vous réveillez, à la télé, vous sortez au devant de votre avenue, vous jouez aux dames, la Bible dit, un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, la pauvreté vous s'y rendra comme un rôdeur. Beaucoup aujourd'hui sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont fainéants. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas dans la vie parce qu'ils ne courent pas avec le temps. Ils ne veulent pas faire quelque chose pour demain. Ils veulent qu'ils sont là, qu'on leur apporte des cadeaux, qu'on leur apporte des dons, qu'on fasse des miracles pour eux. Oui, il y a un temps, on reçoit des cadeaux parce qu'on a fêté son anniversaire, on a fait son mariage, mais il y a aussi un temps. Vous devez vous casser la tête pour pouvoir réaliser quelque chose. N'oubliez pas, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est important, chers amis.
C'est important, chers amis. Vous avez des enfants, vous voulez construire une maison. Vous attendez des millions, vous ne construirez pas une maison. Avec le peu que vous gagnez déjà là, commencez par une fondation. Et qu'est-ce qu'on dit? L'appétit vient en mangeant. Dès que vous achetez des sacs de ciment, vous achetez un peu de sable, vous commencez à construire, il y aura une autre motivation qui viendra sur vous brusquement. Vous aurez souci, dès que vous avez 10 000, 20 000, quelque chose, de pouvoir continuer votre chantier. N'attendez pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Dieu même lui a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. La vie, on ne la maîtrise pas. Dans cette vie, il y a beaucoup d'imprévus. Dans cette vie, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Donc, si tu ne sais pas saisir ces opportunités maintenant, elles ne vont pas se renouveler demain. Faites attention. Si vous avez une opportunité, saisissez-la. Une opportunité de travail, saisissez-la. Une opportunité de voyager, faites-le. Une opportunité d'avoir des enfants, faites-le. Une opportunité, une fenêtre qui vous est ouverte pour un conseil, pour une prédication, pour quoi que ce soit, il faut le faire maintenant. Même pour soutenir une église avec ses moyens, n'attends pas être millionnaire pour le faire. Avec déjà ce que vous avez, faites un geste. Vous vous souvenez de cette dame qui n'avait que deux pièces? Jésus a dit, cette dame a donné avec tout son cœur l'essentiel qu'elle avait. Elle a donné des pièces et dit, cette dame a donné plus que les autres. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, il ne faut pas attendre d'être quelque chose qui trotte dans votre cœur pour commencer à poser des actes. Non, il faut le commencer maintenant parce que le temps n'est pas forcément notre allié. Le temps court et le temps influence tout. Tu ne peux pas arrêter le temps. Le temps changera ton comportement. Le temps changera ta vision des choses. Bon week-end, aidez ça à la motivation. Ne rêve pas trop. Ne sois pas trop fainéant. Bouge les méninges. Bouge tes pieds. Pose des axes. Quand il y a une opportunité, saisis-la. Fais quelque chose. Tu me donneras raison un jour. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager. Je vous aime beaucoup.